Vas-y. Oui, bonjour Vincent. Hey, comment est-ce que vous êtes senti aujourd'hui après la course et pendant? Oh ben, c'était dur, dur. Tiens, ça droit, sinon les gens ils vont. Ah ouais, sinon les gens ils vont gueuler. Vas-y, je commence, mais sérieux, vas-y. Attends. Oui, bonjour. Attends, Vincent. Je te la tiens et tu poses des questions. Comme ça. Oui, bonjour Vincent. Comment est-ce que vous êtes senti pendant la course? Ben, c'était une course assez difficile, beaucoup de sable, donc quelque chose de nouveau pour cette saison-ci. J'ai eu du mal à retrouver mes repères de cyclocross, vu qu'au pays, on roule tout le temps dans un terrain sec. Et c'était vraiment compliqué, je sais pas, je fais 35e. Je suis loin, loin des meilleurs, mais bon, c'est Coupe du Monde, et puis il y aura le Championnat du Monde, donc il va falloir s'entraîner dans le sable, et puis voir comment ça va se dérouler vers la fin de la saison. Et en général, est-ce que vous êtes content de votre résultat? Ah, je pense que j'avais dit top 20, mais j'ai dû revoir un peu mes objectifs à la baisse. Je pensais 30e, mais bon, ça n'a pas passé, donc il va falloir continuer à s'entraîner et espérer mieux faire au Championnat du Monde. Comme nous le savons, le Championnat du Monde va se dérouler ici à Coxyde. Que oui. Pensez-vous du parcours aussi? Ben, le parcours, comme j'ai dit, il était fort sec, donc le sable il était vraiment léger et puis vraiment difficile à trouver des repères. C'était très physique, course à pied, il va falloir que j'améliore ma course. Merci Vincent. De rien.